Alors nous vous conseillons FLD, entreprise sérieuse et langage, un peu perché. Ah, mais attends, il faut être perché pour faire ce métier. Ah, et midi. Bon. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Alors aujourd'hui, Montferrand du Périgord. Alors on est là pour... Un truc tordu. Ouais. De toute façon, quand c'est pas tordu, c'est pas pour nous. Ouais, nous on n'a jamais les trucs faciles. Ah, on peut pas avoir celui-là taillé là. Ouais, celui-là était bien. Ouais, trois coups de tonzonneuse était par terre. Comme dirait Nono, oui, mais non. Ah, j'ai jamais rien compris là-dessus. Je oui, dois... C'est possible, mais non, ça se fera pas. Ah, je parle pas les féminines. C'est toujours oui, mais non. Bon, ben, je comprends pas tout. Alors, pour commencer, on a ces deux-là. Alors, pas celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. Et après, demain. Pas après demain, demain. Ah, c'est compliqué aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, c'est dur. On a ça là. Alors, ça, c'est pas mal, mais ouais. Toiture là, toiture derrière, en dessous là. Et vos petits jardinets plantés, ouais. Replantés. Il y a une dame qui nous a planté plein de petites fleurettes. Un joli petit massif. Vous avez fait plein de massifs. Bien aménagé. Bien ça, beau. C'est bien, c'est beau. Entre lesquels on ne circule pas. Voilà. Il y a un accès tout petit. C'est ça. Et surtout, faut pas péter, parce que sinon c'est pas rigolo. Ah, tu comprends? C'est pareil solo. Alors, l'idée, on y va. D'accord. C'est fait. Alors, quoi, côté ce qu'on va faire? Tu vois, il y en a un, il est sec. La barbe est tout net, il est malade. Ces deux pieds qui sont comme les côte à côte. Alors, celui-là, il est. Celui-là, il est pas frais, tu vois, celui-là. Ça là, ça va mal. Alors, quoi qu'on fait, le problème c'est que la propriétaire qui est là-bas, et c'est la même dame qui est propriétaire ici. Et la dame, elle veut pas voir un arbre dans son terrain. Alors, l'idée c'est qu'il faut tout remonter côté haut. Voilà, celui-là, ça va aller. Celui-là, c'est le plus facile. Mais alors, celui-là, ça va être chaud patate. Si tu regardes le pied là, alors, moi je suis à la verticale du pied. Et regarde où est la tête, tu vois. Alors, ça c'est chaud patate. Parce qu'il faut le ramener de ce côté. Et il est tout là-bas. Alors, ça craint. Verticalité, c'est mon braque, la verticalité, tu vois. Par là. La verticalité, ça donnerait ça. La tête elle est là-bas quoi, t'as craint. Et en plus, si tu fais bien attention ici là, il déchausse. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de basculer tout doucement comme ça là, et il va aller se coucher en bas là. Donc ça craint, celui-là il va y aller. Donc ça veut dire que si on met un peu plus de poids en tête, c'est pas sûr qu'on parte pas avec, tu vois. Et ça craint. Ah, ça craint le pâté. Voilà, ça pue. Chaud patate. Tu vois, ça paraît assez simple, tu regardes l'arbre comme ça, tu dis oh c'est cool, hein. Le problème c'est qu'il déchausse. Et avec les pluies qu'il y a, eh ben ça va pas faire en s'arrangeant. Hein. Ça c'est sûr. Oh de Dieu. Voilà. Regarde. Il a mis la combinaison. Mais comme toi, je veux pas me mouiller. Il est beau dans sa combinaison. Oh qu'il est beau. Mon Dieu. Il est beau le gars. Bon alors voilà, c'est un peu l'idée. Celui qui craint le plus c'est celui-là là. Parce que celui-là il déchausse. Il est tombé 80 mm en 2 jours. Et plus ça va et moins ça va. Quand on marche, on fait plus flop. Donc on va essayer de tirer le sec maintenant. On va voir s'il veut bien l'amener. On va monter, attacher l'autre, on va réfléchir. Parce que là, il va falloir faire travailler un peu la tête. Parce que là, ça craint. Ah, il va falloir faire travailler un peu les neurones. Parce que si on y met plus de poids en tête là-haut, vu qu'il est chausse et qu'il est levé de ça, ça pue. Faut monter l'attaché assez haut, mais pas trop. On y va ? On va y aller. Ah, faut y aller, parce que là, ça fait 8 minutes que je piole. Ah, j'aurais mal, c'est ça. Si, la mise en place est faite et les machines sont prêtes. C'est prêt. Il n'y a plus qu'à pompiner et démarrer. Allez, on y va ! Bande de feignants ! Non, parce que eux, ils sont assis, ils nous regardent. Bon, l'idée, astacage, c'est fait. Astacage au 4x4. C'est en trêpe. Et après, tractage et puis... abattage. Ou cassage. Ou cassage. Ça dépend. Ça va être taoulé, on sait pas trop. Tout ce qui va, ne tombe pas, mais là, il faut tombe mort. Je te donne le caméraman. Qu'est-ce que t'en dis? Monteur. Et voilà. C'est clair, tout est prêt. Il est dans les starting blocks. Il fait son kéké. Bon voilà, il est par terre en morceaux. Hein. C'est qui parle de débit? Abattage. En théorie, tout va bien. En pratique, ça se complique. Starter. Abattage, entaillage, et après. Abattage. Et voilà les gens. Un grand moment de motion les gens. Abattage. C'est maintenant, ça va mieux, mais tout à l'heure ça tremblait. Il est pas de terre. Mais t'es là, il est couché. Il y a plus qu'à faire ma-même. Ma-même, et brouh. Et brouh. Ward, pile comme on a dit. Après l'effort, le réconfort. Ça déstresse.
Alors, Ward, où il est le pépère? Impeccable. La clôture à rien, la lorière à rien, on n'a rien abîmé. Pile, la première branche est là, et l'autre est là. C'est pas belle la vie. Demain, débitage. Et après, broyage. Allez, on met en place pour demain. Bon, et voilà les gens. Pour cet après-midi, c'est fini. C'est déjà bien. Ils sont par terre. Il y en a un qui est débité. Il est 5h, la nuit tombe. Comme de toute façon, on a un problème de phare sur la tronçonneuse. On avait hésité, on voulait mettre une dynamo sur le bord de la chaîne. Tu vois, quand elle tourne, ça faisait... C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Nous, on vit dedans. Ah ouais, je sais. Toi, tu vis que dehors, tu le vois que de dehors, mais nous, on est dedans. J'ai bien la service que j'ai dedans. Il y a des fois, même pour nous, c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple, je vous jure. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, là, de suite? On va rentrer à la maison. Rentre à la maison. Et en arrivant, chocolat. C'est voilà. Parce que lui, il peut manger. Moi, non. Non, ben, c'est moi. Et puis après, c'est déjà trop lourd. Après, il va casser les arbres. Donc. Je vous emmerde. Ouais, ils sont pas gentils. Bon, les gens, on y va. Eh ben, nous, le jour 1 fini. Maintenant, demain. Ouais. Bah, après, on va voir le jour 2. Le jour 2, demain. Demain, débitage, broyage, empilage, nettoyage, finissage. Ouais, tout en rage. Allez, on vous aime. Faites attention à vous. Soyez sages. Mais pas trop. Mais pas trop. Ah, jamais trop. Juste ce qu'il faut. Des fois, il faut pas abuser. Non, ça fait mal aux hanches. Elle est pour toi, celle-là. Cadeau. Moi, je la laisse au montage. Ils se reconnaîtront. Allez, les gens. Allez, ciao à tous. Ciao, les gens. Coucou, les gens. Bonjour, les gens. Bon. Raté. Ah, merde, elle est marre. Elle a froid. Rassurez-vous, c'est parce que nous aussi, on a froid. C'est pas qu'elle reconnaisse. Allez, aujourd'hui, débitage, voyage, empilage. Je prends le bord des fous. Dis bonjour aux gens. Bonjour les gens. Ah, au sens, il n'y a plus de piles. Comme ça déblaye. Un Asiat! Ça, c'est fait! Allez! Ah, il est replanté! Un petit coup de bacate, c'est bon. Manque celle-là. Oh les gens, on n'a plus rien. À tout couper, à tout bien rondelle, tout pilé, on a tout ratissé, c'est tout propre, tout beau, regardez, c'est tout propre, c'est tout beau. Alors, c'est pas parce que c'est un chemin où personne passe, personne vient, qu'il faut pas que ce soit propre. Toujours propre. Ah, voilà, tout est fini. Et bien après, ils auront un tas de copeaux là, et des tas de bois là-bas. Alors ça, ça reste mis à disposition pour la mairie, pour en faire du paillard, du paillage. Voilà, nous on vous laisse, soyez sages. Mais pas trop. Mais pas trop. On va fignoler un peu. Et puis nous, on y va. On rentre à la maison. On vous aime. Sortez couverts. Sortez couverts. Allez. Même par beau temps. Même par beau temps. Bisous à tous. N'oubliez pas le chapeau. Allez, ciao.